Salut à tous et bienvenue sur 93 Aventures. Alors aujourd'hui on est en direct de ma ville natale, El Jadida, au Maroc, pour faire une partie de pêche. Je vais aller acheter des appâts, des arénicoles. Je vous montre comment ça se passe et ensuite on va essayer d'aller pêcher quelque chose. Allez, à toutes. نعم شحال تحسب عليا انا كنا فوق 40 واخ عندك شي طعم اخرى شنو هي هذه هذيك الروز ديال الكراميل كيسيدو بها زوينه كيسيدو بها زوينه ودير ليا هي منها شويه دي تيت دو كراميل جيبوا من البحر من الرملة شتي صافي هادو زوينين صافي دير ليا هادو هادشي كامل كامل ديرو كامل شحال كامل واحد 50 درهم وشحال كامل 100 درهم صافي ديرو كامل ديرو كامل جوع سامع لا ولد اختي عرفتيني ولا لا Il y a ma tante qui est en train de négocier les prix. Ça devrait bien se passer normalement. Allez, je vous laisse. On se revoit tout à l'heure. Et voilà, des têtes de calamar et des arénicoles. Je vais vous montrer ça tout de suite. On arrive à la malle et je vous montre. Là, c'est des arénicoles avec des têtes de calamar. Et là on est paré pour aller. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors me voilà enfin arrivé à la plage de El Aouzia à El Jadida. On a un peu de marée là, un peu de vent, elle est un peu agitée. On va voir ce que ça donne. Le temps que je prépare mon matos, car là j'ai mon moulinet qui est complètement, vous voyez les filets complètement, bref, je l'ai laissé à mon cousin et il a fait n'importe quoi. Heureusement que j'ai un deuxième moulinet à l'emploi, on a juste à le monter, j'aurais juste à le monter, voilà. Je prépare mon hameçon, on fait le montage, on se reprend, je vais commencer au verre arénicole et ensuite on va tester le calamar. Alors on va faire un petit montage, on va commencer à écher les verres arénicoles, comme vous pouvez le voir ici là, c'est pas une tête ça, voilà, là on a une tête. Ah non, c'est quand même, ah si si c'est une tête, ah, vous pouvez voir ses dents sortir là. On va pincer pile entre les deux pinces. On attend qu'il sort ses pinces. Voilà. Et là, on vient percer. Et on enfile le verre petit à petit sans le percer sur l'aiguille à écher. Je suis un peu sorti. On rentre dans l'abdomen, on reperce et on fait glisser le verre petit à petit. Bon, l'idéal ça serait de ne pas sortir du corps du verre dans l'idéal, mais bon là j'ai fait une petite erreur de manipulation, ça glisse un peu. Bon, comme j'ai des hameçons trip, je m'arrête là et je tire. Alors, et là on vient chercher notre hameçon. Ça se fait mieux sur un hameçon normal, mais là comme c'est un trident, voilà, on vient enfiler l'aiguille sur l'hameçon, on vient caler avec son pouce ici en bas comme ça. Et on fait glisser comme ceci. Hop là. Et là, on va pouvoir retirer notre aiguille, faire passer le verre à travers l'hameçon. Voilà, comme ceci. Et recommencer l'étape trois fois sur chaque hameçon. Voilà. C'est parti, on a notre montage qui est prêt. On va pouvoir faire notre lancer.
dans la plage où j'étais, ça mordait pas trop, il y avait beaucoup de vent. Ma tante m'a conseillé un autre endroit parce qu'elle connaît bien l'endroit et elle connaît les bons spots de pêche. Et là on a changé, donc on va voir ce que ça donne ici. Je vous montre un peu le décor, c'est un peu plus rocheux. Et c'est un peu plus calme surtout parce que là-bas on avait des grosses vagues à Haouzia, mais ici on est à Sidi Bouzid et c'est un peu mieux. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors franchement, c'était une bonne pêche, un bon sar. Je sais pas combien il pèse d'ailleurs, je vais pas encore peser, mais on va le faire en tagine ce soir et je vous montre ça. Allez, tchuss.